Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez passé une belle journée. Pour ma part, j'ai passé une belle nuit. Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle guidance, petite histoire. On va voir ce que ça peut aussi apporter comme conseil, comme avancée. Donc sur cette guidance sentimentale, intemporelle et collective. Faites bien attention au fait que ce soit collectif. Là, c'est pour plusieurs personnes. Donc ne prenez pas les choses personnellement, ne les prenez pas trop à cœur parce que vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Hein, gardez bien en tête que ça vous donne des clés, ça vous aide, mais ce n'est pas votre histoire, personnellement. Donc faites attention. Si vous voulez vraiment savoir où vous en êtes vous, il faut prendre une guidance privée avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. Prenez surtout quelqu'un qui vous touche, avec qui vous vous sentez à l'aise, quelqu'un qui vous parle. Et si c'est avec moi, j'ai laissé de quoi me contacter. Mon adresse mail en barre de description sous la vidéo. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que voilà, vous allez trouver de quoi vous faire avancer sur cette chaîne. Et puis surtout bah, de quoi rire quoi. Je vois qu'il y en a qui rient beaucoup et je trouve ça trop bien. Bah ouais, parce qu'on n'est pas obligé de pleurer, hein. Les choses elles sont déjà suffisamment dures, donc on n'est pas obligé de pleurer. Le fait qu'on rit des certaines situations ne nous empêche pas d'avancer et de comprendre ce qui se passe. Mais le fait de rire, en fait, ça nous aide à vibrer beaucoup plus haut. Et donc du coup, bah, les choses s'arrangent quand on vibre plus haut. Donc si je peux vous aider à rire et vous faire rire, même si je parle de choses qui sont compliquées et que ça vous aide à vibrer plus haut, et bah, moi j'ai gagné. Voilà. Alors on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. J'ai envie de prendre ça. De quoi on va parler? J'en profite pour vous remercier pour vos petits super commentaires. Vous êtes trop, trop, trop géniaux. J'adore vous lire, surtout en plus la nouvelle personne qui arrive là. Vous êtes 9h09. Vous êtes d'une vibration et puis vous avez aussi beaucoup d'humour. Donc c'est vrai que quand je vous lis, moi aussi je ris beaucoup. Donc en fait, même moi, vous m'aidez à vibrer encore plus haut et ça, c'est génial quoi. Donc merci, vraiment merci pour vos partages, vos commentaires, pour voilà, pour vos likes, pour vos abonnements. C'est ce qui fait avancer la chaîne aussi. C'est ce qui permet aussi qu'on soit de plus en plus à pouvoir partager entre nous parce que je pense que beaucoup lisent les messages des autres. Donc du coup, ça aide aussi à faire avancer les gens. Les expériences des uns sont aussi les leçons des autres, les expériences des autres. Donc si on peut se partager les choses et se partager ce qui nous a aidés, ce qui nous a fait avancer, eh ben c'est top. C'est top. Ça fait une petite communauté sympa et moi j'aime beaucoup. Alors, de quoi va-t-on parler? D'affaires apparemment. De revenus modestes ou alors juste voilà, de revenus modestes, on me dit. Un petit boulot qui apporte juste ce qu'il faut. Aussi d'une situation où il y a de l'amour, mais où ça bouge pas. Ça bouge pas parce qu'on met des bâtons dans les roues. Donc, quelqu'un a une situation, voilà, qui lui convient. C'est pas non plus, on n'est pas millionnaire, mais ça va, on s'en sort. C'est quelqu'un qui voilà, qui a beaucoup d'amour, d'affection pour quelqu'un d'autre.
Mais il y a des choses qui ne bougent pas, ça n'avance pas parce que parce qu'il y a des ennuis. Après, c'est pas pérenne, hein. Pardon, déplacement. Il y a peut-être un déplacement qui va se faire et qui va apporter de l'eau au moulin financièrement. Peut-être un rendez-vous. Ouais, ça va apporter de l'eau au moulin. Là, on parle de gains financiers. De gains financiers, de gains aussi peut-être sentimentaux. Bon, là, je sens qu'il y a des gens là qui en fait ont un projet et que ça va ramener. Vous allez peut-être rencontrer une femme, pas forcément riche en finances, mais avec une grande richesse intérieure. Et c'est quelqu'un qui va, ou alors c'est vous, là, cette femme, en tout cas, d'une grande richesse intérieure. Vous avez quand même un certain, comment dire, j'aime pas trop influence parce que du coup, c'est un peu. En fait, vous touchez beaucoup de gens autour de vous. Peut-être que vous avez des gens qui viennent vous parler, vous raconter leurs problèmes. Peut-être qu'au travail, on vient vous demander des conseils. Voyez, vous êtes ce genre de personne. En tout cas, dans vos projets matériels, vous êtes ce genre de personne. Y a une union dans votre. Il y a un voyage qui va se faire et on vous dit que vous allez rencontrer quelqu'un. Là, il y a du bon qui se présente pour une féminine, là. Quelqu'un qui va bouger pour des projets d'affaires. C'est quelqu'un qui, en général, est de bons conseils, quelqu'un qui a une grande richesse intérieure, 0707, quelqu'un qui, en général, a du succès dans ce qu'elle entreprend. C'est surtout ça que je sens. C'est quelqu'un qui, quand elle entreprend quelque chose, cette féminine, elle a du succès dans ce qu'elle entreprend. Ça fonctionne. Je sens de la confiance. Quand on fait quelque chose, c'est qu'on a confiance. D'accord. Donc, il y a peut-être une rencontre amoureuse qui se profile pour cette féminine. Oh. C'est peut-être une rencontre qui va aller plus loin qu'une simple rencontre. Hein. On va peut-être s'engager. Il y a dans vos énergies, il y a une femme qui vous connaît. Et cette femme, elle œuvre pour vous, énergétiquement. Il y a une femme qui prie pour vous, qui œuvre pour vous. Et vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Elle n'est pas, c'est pas quelqu'un que vous fréquentez, mais c'est quelqu'un qui vous connaît. C'est quelqu'un qui vous souhaite le bonheur. C'est quelqu'un qui vous souhaite la joie. Elle, énergétiquement, cette femme, elle œuvre pour vous. Elle prie pour vous. Alors, la féminine dont je parle, ça peut être un homme, hein. Ouais, il y a des belles choses là qui s'annoncent côté sentimental. Hein. Vraiment, hein. Et il y a cette femme qui prie pour vous. On dit voir la carte d'à côté. C'est une femme qui estime que vous avez déjà suffisamment souffert dans votre vie. Vous avez été suffisamment contrarié. Par rapport à une énergie masculine plutôt aisée, avec qui vous avez eu en tout cas soit des soucis d'argent, soit des déceptions, des choses comme ça. On vous dit que cette personne qui est assez haut placée, qui est assez riche, assez aisée, cette personne, elle risque d'avoir bientôt des ennuis d'argent. J'aime bien cette énergie de femme là qui est en train de prier pour vous, qui s'occupe de vous.
Bon, il y a quelqu'un qui part apparemment et entouré dans son entourage quelqu'un, une femme. Mais cette femme, en fait, comment dire, cette femme, en fait, elle lui joue de la flûte. C'est quelqu'un qui lui joue de la flûte. Alors. Ouais. C'est quelqu'un qui lui joue de la flûte. Il y a encore cette énergie là de roi, là, de personne. C'est la même chose que je sens là, la même énergie que je sens là chez les deux là. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui est aisé, qui est assez. Voilà, c'est quelqu'un qui gagne bien sa vie, qui est bien. Cette personne, elle va avoir des problèmes d'argent. Où il y a peut-être des histoires, alors il sait pas où, c'est, et il y a des histoires avec cette personne, voilà, vous êtes contrarié par cette énergie masculine. Il y a quelque chose qui est en retard entre vous et cette énergie masculine, et ça vous contrarie plutôt beaucoup, on va dire. Ça vous dérange. Ça vous dérange. Mais il y a quelque chose de beau qui arrive hein, là, en sentimental, il y a quelque chose que vous. Même en projet financier, si vous avez un projet sur le feu, il y a de belles énergies dans ce projet. Hein. Ça va vous permettre de mettre du beurre dans les épinards, hein, ou dans les pâtes, ça dépend de ce que vous aimez. Il y a beaucoup de positivité là, vraiment. À part cette histoire de. Il y a un truc qui va pas là avec un masculin là. Un truc qui va pas. Il y a une féminine qui vous aime beaucoup, qui prie pour vous. Énergétiquement parlant, elle vous apporte beaucoup. C'est quelqu'un qui vous relève, qui vous soulève. Vous savez pas. Ah, du coup, si, vous savez maintenant, mais. Cette personne, en fait, elle prie pour votre. Comment dire? Elle prie pour votre abondance, cette personne. Et vous la côtoyez pas. Elle vit loin, cette personne. Mais c'est quelqu'un de bien. On vous dit que vous, il y a quelqu'un là qui est très très amoureux de vous. Ça doit être ce masculin parce que là j'ai l'énergie du roi qui ressort directement après l'amoureux, le fiancé. Il y a quelqu'un qui va venir vous faire un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau. Quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelqu'un de très généreux. Mais c'est quelqu'un qui va avoir peut-être des soucis d'argent ou avec qui vous avez des soucis de choses qui n'avancent pas. On ne dit pas où. Est-ce que c'est dans vos énergies ou c'est dans les énergies de la personne en face là? Il y a beaucoup de ça, beaucoup d'affection entre cette personne et vous. Et vous aimeriez bien voir cette personne assez rapidement en fait. Ça avance pas, vous êtes contrarié parce que ça avance pas. Ça, y a trop de retard, mais on vous met des bâtons dans les roues, hein. Il y a une énergie masculine là qui veut pas soit votre bien, soit le bien de ce masculin. Voilà, il y a quelqu'un là, il y a une énergie masculine qui veut. Ça peut être une femme, hein, calmez-vous, c'est juste des énergies. Hein. Il y a une énergie masculine là qui ne veut pas votre bien ou le bien de votre masculin. C'est quelqu'un qui cherche à. C'est quelqu'un qui cherche à foutre le bordel, quoi. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut pas votre bien. C'est contrebalancé avec l'énergie de. De cette dame là qui en fait prie pour vous et souhaite votre bonheur. Il y a quelqu'un qui en contrepartie en fait ça vous souhaite le compte. Il souhaite le contraire. Alors l'énergie féminine dit ça peut être un homme aussi, bien sûr, on parle hein, d'énergie, je vous ai déjà dit. En tout cas, quelqu'un de bien pense très fort à vous en positif. Tandis que quelqu'un de vilain, parce que
pas bien, c'est voilà, quelqu'un de vilain. Vous souhaite pas, c'est pas l'abondance hein, qui vous souhaite. Hein. Bah alors, c'est quelqu'un qui vous souhaite des galères. Hein. C'est quelqu'un qui souhaite que vous n'avanciez pas dans votre vie et dans vos projets. Hein. Purifiez-vous autant que possible, protégez-vous autant que possible, vibrez haut, ayez de belles pensées, de façon à déjà contrecarrer cette personne. En plus, avec les énergies que cette personne-là, elle vous envoie, ça va être top. Ça va couper ça, là. Parce que cette personne, elle est vraiment pas gentille. Hein. Vraiment, vraiment pas gentille. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui veut que vous avanciez pas dans votre vie. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous. En fait, c'est des énergies de banqueroute qu'elle vous souhaite, cette personne, de non-réussite, d'anxiété. Là, c'est le genre de truc où, en fait, vous vous levez un matin et puis vous avez plus envie de rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Un matin, vous vous levez alors que vous étiez bien la veille. Et puis ce matin-là, vous vous levez, vous vous sentez, bah, j'ai envie de rien. Vous, même vous, vous vous demandez, mais punaise, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Mais en fait, quand ça vous arrive, ce genre de choses, cherchez pas, hein, on vous a plombé. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est quelqu'un qui sait que vous, vous êtes promise ou promis à quelque chose de beau, quelque chose de grand, et cette personne, elle est jalouse. Cette personne, elle est jalouse, donc en fait, elle ne veut pas que vous réussissiez. C'est comme si c'est quelqu'un qui avait checké vos énergies. Il y a quelqu'un qui a dû aller checker vos énergies, quelqu'un qui vous connaît, que ce soit votre ami ou pas votre ami, mais en tout cas, si c'est votre ami, c'est pas votre ami. Hein. Vous devez sentir qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, si vous la connaissez, à qui vous ne pouvez pas faire confiance parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette personne, homme ou femme. Mais c'est quelqu'un qui est jaloux de vous. C'est quelqu'un qui, en fait, ne vous souhaite pas du tout la réussite dans votre vie, hein. Sentimentale ou financière. Hein, c'est quelqu'un qui veut pas que vous réussissiez. Ce qu'elle a vu dans vos énergies, ce qu'elle a vu, en fait, ça ne lui plaît pas. Mais c'est parce qu'elle est jalouse. On a déjà dit ce que le Seigneur a mis là pour toi, personne ne va te le prendre. Ça veut dire que même si on vous emprunte vos énergies d'abondance pendant un moment, ça va revenir. Ça va vous revenir. Si c'est ça qui doit être là pour vous, même si on vous le prend pendant un moment, on vous l'emprunte, ça ne va pas rester chez la personne en fait, ça va revenir chez vous. On peut pas garder les énergies des gens comme ça indéfiniment. Oui, rentrée d'argent, résultat favorable dans vos projets. Ça va pas marcher, cette personne, elle va être dégoûtée. Cette personne, elle va être dégoûtée. Purifiez-vous, protégez-vous, faites en sorte de vibrer le plus haut possible, de voir la joie même dans les petites choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Parce que si vous commencez à tomber dans les voilà, la jalousie, je vous ai dit. La jalousie. Il y a des gens là, soit autour de vous, soit autour de votre personne, hein, c'est 18-18. Si c'est pas autour de vous, c'est autour de la personne en face, là. Cette personne qui est haut placée et qui est aisée, qui a de l'argent, peut-être qui a un bon statut social. Quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, hein. Il y a quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire plaisir, là. Mais il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. Il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas d'accord. On vous met des bâtons dans les roues. Mais il y a beaucoup trop de belles cartes là pour que il y ait des bâtons dans les roues. Que ça fonctionne en fait. Même si ça va vous plomber, on va dire ouais, ça va vous fatiguer. Peut-être que vous allez. Il y a un contrat qui ne va pas fonctionner. Mais en tout cas, le gros du truc, je vous ai dit. Courrier d'affaires favorable. Il y a une rencontre qui va se faire. Une rencontre amoureuse qui va se faire. Cette personne-là, elle ne va pas avoir gain de cause. Mais elle va vous faire suer. On va dire ça comme ça. Elle va vous faire suer. Mais vous avez quand même des gens autour de vous qui souhaitent votre bonheur. Hein. Notamment une polarité féminine qui vous aime beaucoup. Qui pense à vous en positivité tout le temps et qui ne vous dit rien du tout. Juste elle pense à vous, elle vous envoie du bonheur tout le temps. Mais elle ne vous dit pas les choses. Bon,
pour vous, dites qu'il y a quelque chose de rapide qui arrive pour vous. Il y a un changement de votre vie là. Il y a un changement dans vos projets, des choses qui vont évoluer rapidement. On me dit pour peu que vous y travaillez en fait. Prenez votre temps, vous inquiétez pas, ça va marcher. Il y a quelqu'un qui... Oh là là, c'est beau ça, votre présence est recherchée. Il y a quelqu'un qui veut vous voir, je vous dis. Quelqu'un qui veut vous voir. C'est quelqu'un qui aime peut-être vous parler ou qui a envie de vous parler. On vous dit de rester posé. De rester posé. Hein, de bien observer. Hein, parce que ça risque peut-être de vous chambouler un petit peu. Émotionnellement parlant. Il y a une rencontre amoureuse qui va se faire là. Il y a quelqu'un qui... Il y a vraiment quelqu'un qui... Vous n'avez pas qu'une seule personne, hein. Vous avez une polarité féminine qui vit loin de vous, que vous ne voyez pas, qui prie pour votre bonheur tous les jours. Tous les jours. Et vous avez autour de vous une polarité masculine, homme ou femme, ça n'a pas d'importance, mais c'est quelqu'un d'entreprenant, c'est quelqu'un qui est dans l'action, vous voyez. Cette personne-là, quand vous lui parlez, eh bien en fait, vous avez l'impression que tout s'arrange. Il y a quelqu'un autour de vous, quand vous lui parlez, ou quand vous l'écoutez, vous avez l'impression que tout va aller mieux, tout s'arrange. C'est quelqu'un de bien. Et quand vous allez vous sentir chamboulé, il faudra aller voir cette personne. Il y a des choses rapides qui arrivent, là, ça risque de vous secouer un petit peu. Il faudra aller voir cette personne. Il faudra parler avec cette personne. Elle vous aidera à rester lucide et à rester prudente ou prudent. Ça, vous savez, c'est quand on arrive sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est bientôt. Bon, bientôt pour l'univers et bientôt pour nous, c'est pas pareil, hein. Donc, les gens qui sont trop pressés, là, il faut tempérer. Mais quand vous arrivez sur la ligne d'arrivée, quand vous êtes proche de la ligne d'arrivée, eh ben, les obstacles, ils sont encore plus compliqués. Parce que c'est la fin, en fait. Et c'est là qu'il faut tenir et qu'il faut pas lâcher. Vous avez un feu ardent à l'intérieur de vous. Nourrissez-le. Nourrissez-le. Cette passion-là, il faut la nourrir. C'est ce qui va vous porter. On vous dit d'être patiente, hein? Oui, on vous dit, il y a des féminines là qui m'écoutent qui sont impatientes. Impatientes. Vous en avez marre qu'en fait, il y a quelqu'un qui vous bat de froid, en fait. Il y a quelqu'un qui ne vous parle pas, qui ne vous dit pas les choses. Vous avez l'impression d'être complètement aveugle aux yeux de cette personne. Mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Petite amélioration. On vous dit, regardez, j'allais vous parler en créole en plus. Je vous ai dit de vous calmer, non? Vous avez besoin de vous calmer. Détendez-vous, sortez du mental, faites des choses autres. Faites des choses autres. Quand votre masculin il arrive dans votre tête là, quand vous commencez à penser à la personne de votre cœur, dès que vous voyez que ça arrive, switchez le truc. Pensez à autre chose. Faites-vous un petit mantra, un petit truc je sais pas moi, la vie est belle ou je suis amour ou j'aime le fromage, enfin une connerie, je sais pas, vous voyez. Mais quand cette personne-là elle arrive dans votre tête, switchez le truc. Pensez à autre chose. Vous avez la force de faire ça. On vous dit de rester dans la planification et dans la stratégie de vos projets de vie. Parce que c'est ça qui doit vous mener là. C'est vos projets de vie qui doivent vous tenir et vous mener. C'est à ça que vous devez penser. C'est vraiment à ça que vous devez penser là. Parce que c'est de ça que l'autre va venir. On vous dit qu'il y a peut-être eu des actes manqués. Peut-être qu'il y a des choses que vous deviez faire et que vous n'avez pas faites. Mais peut-être parce que vous étiez trop dans le mental avec la personne que... Voilà. Vous vous occupez trop de la personne qui a dans votre cœur, en fait, et pas assez de vous. Donc, vous perdez de l'énergie et en plus, vous loupez des choses. Tenez bon. Ça va bien se passer.
va bien se passer. On attire à soi ce qu'on est. Vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans le manque, vous êtes dans la peur, ceci, cela. Ben, vous allez attirer ça dans votre vie. Vous allez attirer des situations où vous serez encore plus anxieuse, plus dans le manque, plus dans la peur. Harmonie dans le foyer. Moi, je vois harmonie dans votre corps, votre foyer intérieur. Un nouvel amour aussi. Pourquoi? Mais non, je veux pas faire de sport là. Hein. On vous dit qu'il y a peut-être des choses qui vont vous énerver. Hein. Des petits désaccords qui vont arriver, qui vont vous énerver. Restez calme. Restez calme parce que sinon vous allez voir des choses qui ne... Voilà, il y a un truc qui va venir vous embêter. Ça va venir vous faire suer. Il y a un truc qui va venir vous embêter là. Mais vous avez ce qu'il faut. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez la sagesse et le recul suffisant. 25-52. 7-7. Vous avez la sagesse et le recul suffisant pour ne pas vous laisser embarquer dans la perturbation, là, dans les turbulences. Ça va pas durer en plus. Ça va durer que si vous rentrez dedans sans faire... Oui, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui veut votre peau. Il y a un rival qui vous freine. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui veut votre peau. Quelqu'un ne veut pas que vous réussissiez ce que vous êtes en train de projeter là. Ce que vous êtes en train de faire. Mais ça va marcher quand même de toute façon. Donc en fait, cette personne-là va se faire du mal. Hein. Ça va marcher quand même. C'est quelqu'un qui s'en fout des autres, qui pense qu'à sa pomme. Allez-y, n'ayez pas peur. Allez justement là où la peur vous mène. Si vous vous dites, mais non, mais ça, je peux pas le faire, machin. Bah si, en fait. Si, si. Ça, c'est juste votre cerveau qui vous dit, mais non, mais si tu fais ça, tu vas te planter. Si tu fais ça, tu vas mourir. Vous voyez ce que je veux dire? La peur, c'est ça. Quand on a peur de quelque chose, c'est votre cerveau, en fait. La peur, ça vient de la tête. Ça vient pas du cœur. Ça vient de la tête. Et la peur, c'est votre cerveau qui vous dit, si tu fais ça, tu vas mourir. Si tu fais ça, tu vas te blesser. Si tu fais ça, tu vas te planter. En fait, faut pas l'écouter. Faut y aller quand même. Et si on se plante, c'est pas grave. Au moins, on aura pris une leçon. On recommence mieux la prochaine fois. Faut y aller quand même. La peur, ça empêche d'aller sur des chemins où on pourrait avoir de super surprises et des super cadeaux. Regardez. Si j'avais écouté ma peur, je serais pas là aujourd'hui. Ça, je peux vous le dire. Parce que vous imaginez pas la trouille bleue que j'ai eue pendant des mois entiers pour lancer cette chaîne. J'ai eu peur, mais à un point que vous imaginez même pas. Estime de soi, mais non, pourquoi? Mais ça va pas marcher. Et pourtant, j'avais des messages. Hein, on me réveillait la nuit. J'avais des énergies qui me réveillaient la nuit. Pour me dire, mais qu'est-ce que tu fabriques encore dans ton lit? Pourquoi t'es pas déjà en train de travailler, de plancher sur un truc et tout pour que ça fonctionne, de visualiser le truc et tout? Pourquoi t'es là en train de dormir avec ta enroulé en boule dans ton lit en te disant, mais jamais de la vie ça va marcher. Mais pourquoi moi je ferais un truc pareil? Ok, d'accord, j'ai des dons, mais pourquoi moi et pourquoi pas? Enfin, il y en a tellement qui font ça. Il y a tellement mieux que moi. Mais en fait, c'est pas une question d'être mieux que toi ou pas mieux que toi, on s'en fout de ça. Il n'y a jamais personne de mieux que personne. Par contre, il y a de l'unicité. Personne ne fait les choses comme moi. Et moi, je ne fais pas les choses comme les autres. Et personne ne fait les choses comme personne. Chacun a sa particularité. Son ressenti, ses trucs, machin. Il y a des choses qui peuvent vous toucher chez les autres et tout, et qui peuvent vous parler chez les autres, d'accord. Mais personne ne fera jamais comme vous. Donc la peur, c'est juste pour vous empêcher d'avancer. Il y a un déplacement, peut-être pour des projets d'affaires, des choses comme ça. Vous avez peut-être un rendez-vous d'affaires à faire, à avoir avec quelqu'un, des entrepreneurs, on me dit. Et ça, en fait, ça va être libérateur pour vous parce que, en fait, ça va vous permettre de réaliser vos vœux. Oh là là, c'est beau. Oh là là, il y a des féminines qui vont réussir. Là, moi, j'adore. Et ça va vous amener vos vœux de cœur aussi. Hein. C'est comme si vous deviez passer par une réussite matérielle pour pouvoir en fait ouvrir des portes. Il y a de la complétude à avoir là. C'est ça le truc. Il y a des féminines là, vous êtes censées être dans une certaine complétude avant que
que les choses du cœur se bougent. On vous dit de faire attention à un certain idéalisme, d'accord? Parce que sinon, après, il y a les déceptions qui viennent derrière. Après, on se dit, ah, mais non, mais tu vois, j'avais raison, ça ne marchait pas. Hein? Méditez un peu plus, hein, sortez de la négativité. Là, justement, on parle encore de cette histoire de, bah, de peur. Hein. Il n'y a que deux émotions sur Terre, l'amour et la peur. On vous dit de vous confier à un ami sûr. Vous voyez, je vous ai dit, quand vous allez vous sentir un peu... Allez voir cette personne. Elle est vraiment positive pour vous. Vous avez un ami autour de vous, là, quelqu'un qui est vraiment positif pour vous. Mais n'hésitez pas à aller voir cette personne. Peut-être qu'on va vous inviter, on va vous dragouiller un petit peu. Hein? Ça fait du bien hein, de se laisser draguer un peu. Hein. Ça nourrit le chakra sacré. Et qui dit nourrir le chakra sacré dit plus de créativité. Ouais. Ouais, y a quelqu'un qui vous teste là. Mais vous, vous êtes adapté. Vous vous adaptez à tout. Parce que vous avez fait une grande introspection sur vous. Oh là là. Vous avez fait une belle introspection sur vous. Il y a des féminines qui sont en train de travailler sur elles, là. Et de cette introspection va partir la victoire. Vous allez apprendre des choses. Vous allez avoir des choses qui vont se débloquer. Vous allez comprendre beaucoup plus de choses, apprendre beaucoup plus de choses. Et ça va marcher. Au fur et à mesure, ça va marcher. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En plus, j'étais dans la rue. Vous savez quoi? J'étais dans la rue. Je revenais de l'école des enfants. Et je me disais, mais punaise, mais qu'est-ce que j'aimerais faire une guidance. Mais que pour les féminines, quoi. Pour qu'on sache où elles en sont, où elles vont, machin. Et regarde-moi ça. Demande et tu auras. C'est trop bien ce qui vient vers vous, là. C'est trop, trop bien. Bon, ça, c'est un peu en général, hein. Voilà, ça arrive, hein. J'aime bien moi aussi, hein, de temps en temps. Parce que des fois, le sentimental tout le temps, c'est un peu relou. Surtout quand on est dans des liens sacrés, c'est un peu... les trois liens sacrés, là, c'est des choses qui se ressemblent. Hein. Alors, on va passer un petit peu au sentiment, un peu plus sentimental. Réussite dans vos projets, hein, mesdames, messieurs, hein, les féminins, les féminines, là. La votre complétude d'abord. C'est ça qui va ouvrir la porte du sentimental, en fait. Donc, mettez le masculin de côté. D'accord? Quand je dis de côté, je ne vous ai pas dit de l'oublier. Hein. Je dis juste que n'envoyez pas vos énergies là-bas. Envoyez vos énergies dans vos projets. Je ne sais pas si j'aurais pas dû me l'acheter en plus grand. Cet oracle, parce que là, il est petit, petit, petit. Je l'aime beaucoup, mais il est très petit. C'est un truc à mettre dans son sac, ça. On vous dit que si vous n'arrivez pas à faire certaines choses, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser... Que, en fait, il est peut-être nécessaire de bien regarder ce qui se passe et peut-être de modifier certaines choses, certaines façons de faire, certaines pensées, certaines manifestations. En fait, il y a des choses qui doivent être réévaluées. Pourquoi le mensonge? On me dit, vous vous mentez à vous-même. Vous rendez pas compte qu'en fait, vous vous menez vous-même en bateau. Oh, mais ça, croyez-moi que c'est très facile à faire. Ouais. Peut-être que... Ouais. C'est comme si vous sentiez qu'il y a des choses qui étaient en train de bouger, en train de changer pour vous. Mais en fait, votre peur, en fait, vous vous mentez à vous-même. Mais parce que vous avez peur. Alors que ça doit se faire. Vous devez évoluer, vous devez changer. Vous avez déjà pris le chemin. Vous êtes en train d'arriver là. Donc, c'est pas maintenant qu'il faut avoir peur. Hein. Ouais. Ça vous chamboule, hein, cette histoire. Vous êtes en train de vous transformer en quelque chose qui vous chamboule. Vous vous sentez perdu. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver. Si, si, vous allez y arriver.
Ça, c'est les derniers moments là où on va vous faire douter de vous parce que en fait, c'est en train de marcher, c'est en train de fonctionner. Ce que vous êtes en train de mettre en place, c'est en train de fonctionner. Donc en fait, on vient vous mettre des bâtons dans les roues, on vient vous plomber, on vient vous faire douter de vous. Vous allez vous sentir perdu et tout, mais c'est non, c'est là. Restez ancré. On vous dit que tout est possible, tout est encore possible. Ne baissez pas les bras, ne reculez pas. Réussite. On est d'accord ou pas? Ne baissez pas les bras, ne reculez pas. Quoi que vous aviez décidé de mettre en place dans votre vie, que ce soit côté cœur ou que ce soit côté ça va marcher. On vous dit que vous êtes très attaché à quelqu'un qui n'y croit plus. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle. Mais on va lui filer un coup de main. Quelqu'un n'y croit plus. Et si c'est vous, ben, c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. On vous dit de prendre conscience des nombreuses qualités que vous possédez. Oh, vous vous mentez à vous-même et en plus vous avez du mal à vous voir tel que vous êtes. Vous êtes tous merveilleux, merveilleuses. On va vous filer un petit coup de pouce pour que vous voyez les choses beaucoup plus clairement. Oui. Pour sortir de la peur, je vous ai dit. Ah! Oui. Ça suffit, hein? Arrêtez ça. Vous n'allez pas mourir. En fait, c'est ça qu'il faut vous dire. Quand vous commencez à flipper de quelque chose, là, posez-vous 2 secondes. Non, mais en fait, pourquoi j'ai peur de faire ça? Est-ce que si je fais ça, je vais mourir? Non. Est-ce que si je fais ça, ou si je dis ça, je vais me blesser? Mais je veux dire physiquement, hein, d'accord? Je vais me perdre un bras, un truc. Parce que la peur, c'est pour vous protéger. Mais des fois, la peur, ça vous surprotège et ça vous empêche d'avancer. Donc, posez-vous la question, est-ce que... Parce que là, c'est bloqué, là. Hein. On va vous éclairer sur un blocage. Le blocage, c'est la peur. Est-ce que je vais mourir? Non. Est-ce que je vais me blesser? Non. Alors, pourquoi j'ai peur? Ah, parce que oui, peur de souffrir. Peut-être. Peut-être. Mais quand on répare les blessures de l'âme, en général, la souffrance, elle dure jamais longtemps. Dans le sens où plus vous travaillez sur vous, plus vous vous réparez, plus vous vous faites du bien, plus votre enfant intérieur il est guéri, et moins vous allez vous mettre dans des relations et des situations qui sont toxiques ou malaisantes pour vous. Moins vous allez vous approcher de personnes qui vont vous faire du mal. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui arrive d'ici quelques semaines. Qu'est-ce qui arrive d'ici quelques semaines? Semaine, ça peut être en hiver, hein. D'accord? On vient juste de rentrer dans l'automne. Hein. L'hiver, c'est jusque mi-mars. Hein. On se calme, d'accord? Détendez-vous. Vous êtes trop dans l'anxiété. Hein. Détendez-vous. Trop pressé. J'entends trop pressé. Qu'est-ce qui arrive dans quelques semaines? Vous êtes protégé. Donc du coup, déjà détente plus plus plus. Qu'est-ce qui arrive dans quelques semaines? Vous dit qu'on ne peut pas vous dire. Ah, les petits cachottiers! On ne veut pas vous dire parce que ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent, c'est que vous preniez du recul. Et pour le moment, vous n'êtes pas dans le truc. Vous ne prenez pas de recul. Vous êtes la tête dans le guidon, là. Prenez du recul. On ne vous dira rien. Donc en fait, ça ne sert à rien de vous rendre malade. Ça sert strictement à rien de vous rendre malade. Ils ne vont rien vous dire. Vous devez là ce que vous devez faire, là ce qu'il faut faire, c'est trouver le moyen de réfléchir pour vous, sur vos projets, sur votre vie, sur votre bien-être. Pas sur le truc de cœur là qui est en train de vous flinguer là. Parce qu'en fait, vous donnez de l'énergie à tout ça. Et en plus, vous donnez de l'énergie à certaines personnes qui veulent votre peau. Quand vous vous mettez dans ce genre d'énergie là, vous donnez du. Vous apportez de l'eau au moulin à ces gens-là qui veulent votre peau, là, cette personne-là qui veut que vous tombiez. On va essayer de voir quand même hein, ce qui arrive quand même dans quelques semaines. Hein? Qu'est-ce qui arrive dans quelques semaines?
On vous dit que votre projet, là, si vous le menez à bien, ça va vous rapporter des sous. Ça va vous améliorer la vie. Bon. Planchez plus sur ça que sur des histoires de il est où mon homme? Ou elle est où ma femme? Votre homme, votre femme, elle est sur l'autre course, en fait. Chacun la sienne. Finissez votre course d'abord, parce que de toute façon, c'est que à la ligne d'arrivée que vous allez vous voir. Donc, finissez votre course. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive dans quelques semaines pour les féminines? On vous dit que l'amour ne connaît pas la distance. Ça transcende le temps et l'espace. Moi, je pense qu'ils veulent pas vraiment vous dire. Vous vous êtes trop focalisé dessus, donc du coup, ils veulent que vous preniez du recul sur ça. C'est ça, hein. Là-haut, ils veulent que vous preniez du recul sur ça. On vous dit d'arrêter de sortir des illusions, d'arrêter de vous mentir à vous-même. L'amour, des fois, ça vous rend aveugle. Il faut regarder les choses de manière claire. Et pour ça, il faut être pragmatique. On vous dit que la connexion que vous ressentez avec la personne, là, c'est basé sur une très grande amitié. On vous dit que cet amour ne peut peut-être jamais se développer en amour amoureux, hein, parce que c'est beaucoup, beaucoup d'amitié. Et on vous dit de faire confiance au timing divin, que l'amour arrive quand... Je vous dis qu'ils veulent pas vous dire ce qui va vous arriver. Je peux pas continuer, ça sert à rien. Moi, timing divin, c'est comme avec l'autre, hein. Quand je vois cette carte, en général, quel que soit le jeu, moi, j'arrête. J'arrête. Bah oui. Des petits conseils pour vous. On vous dit de laisser les choses être. Ce qui doit être sera. Que vous le vouliez ou pas. Que ça vous plaise ou pas. Donc autant en tirer le meilleur parti pour vous. C'est ça qu'il faut que vous appreniez à faire. Tirer le meilleur parti pour vous de tout ce qui vous arrive, de toutes les situations. C'est vous la priorité de votre vie. C'est pas l'autre en face. C'est vous. Alors. D'accord, mais ça va pas. On vous dit qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de problème. On vous dit qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas été mis sur Terre pour vous rendre malade et pour faire la bagarre tout le long de votre chemin de vie, en fait. On vous dit de laisser tomber tout ce qui est du domaine de l'ego, parce que ça fait partie aussi l'ego, de la peur, et de regarder les murs imaginaires qu'il y a tout autour de vous, ben, en fait, tomber. Parce qu'en fait, en vrai, vous avez déjà gagné. Quoi que vous ayez décidé de faire, vous avez déjà gagné. Tout ce qui vous bloque, c'est dans votre tête. C'est votre peur. Donc, allez. Il n'y a pas de problème, en vrai. Et donc, on vous dit de vous rappeler de qui vous êtes. On vous dit que vous transportez de la poussière d'étoiles dans vos os. Que la sagesse de vos ancêtres vit dans vos veines, dans votre sang. Et que tout l'univers est présent dans votre âme. Sachez qui vous êtes et rien ni personne ne pourra vous mettre à terre. Voilà, votre chemin, c'est vous qui le mettez en place. Le chemin de votre vie, la route que vous allez prendre, en fait, c'est vous qui la créez. Donc, si cette, la route où vous êtes là ne vous plaît pas, faites-en une autre. Faites de nouveaux choix.
créer de nouveaux résultats. Laissez les anciens derrière, les trucs qui ne vous plaisent pas, qui vous ennuient. Mettez ça de côté, laissez ça derrière et dites-vous qu'en face, en face de vous, devant là, sur ce chemin que vous êtes en train de créer, il n'y a que des nouvelles possibilités d'agir et de faire les choses. Et qu'en plus, vous avez vos guides qui sont là avec vous et qui vous aident et qui vous soutiennent. Vous savez, des cheerleaders là, et ben, vous avez une armée de cheerleaders célestes autour de vous qui vous soutiennent. Donc faites. Et on vous dit encore que il n'y a pas d'agenda. Il n'y a pas de rendez-vous genre aujourd'hui telle heure on se voit ou aujourd'hui telle heure je tombe amoureuse ou voilà. Il n'y a pas d'agenda. Ça va venir à vous. Tout ce dont vous avez rêvé, l'amour vrai, tout ce que vous voulez, va arriver quand vous serez prête à le recevoir et à ne rien vouloir en retour. Parce que si vous faites les choses de façon à obtenir quelque chose en retour, ou si vous vous dites « Ah ben je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, comme ça mon autre il va revenir », ça va pas marcher. Si vous partez dans cette optique-là, ça va pas marcher. Si vous vous mettez à faire « Oui, ben je vais travailler sur moi, je vais faire ça, nanana, nanana, parce que comme ça mon autre il va revenir », ça marchera pas. Travaillez sur vous pour vous. Ouais, ben ça, ça me plaît pas dans ma vie, j'aime pas ça. Mais en fait, est-ce que ça, c'est pas un truc qui revient de manière cyclique? C'est pas une sensation que j'ai tout le temps, un sentiment que j'ai tout le temps? Est-ce que je vis pas le même genre de relation tout le temps? Ou machin, ou truc? Pourquoi je suis dans cet état? Mais en fait, j'aime pas me sentir comme ça. Donc, j'ai travaillé sur moi pour faire en sorte que les choses, elles aillent mieux pour moi. Parce qu'en fait, c'est moi qui compte. Et bien, quand vous rentrez dans ce genre d'optique-là, c'est là que les portes, elles s'ouvrent. Si vous faites les choses pour que l'autre en face revienne, vous avez perdu. La dernière. La persévérance. Je crois que j'ai même pas envie de lire ce qu'il y a derrière. Vous voulez que je vous dise quoi encore? Tenez bon, ne lâchez pas. Vous avez tout le pouvoir à l'intérieur de vous de conquérir et de relever tous les défis qui vont arriver et d'en sortir plus fort, plus forte. Quand vous allez traverser le voile là comme ça, là, vous allez traverser le truc, vous allez arriver à la fin, à la ligne d'arrivée de cette course là que vous avez, ce chemin là que vous avez forgé, vous avez tracé, vous arrivez à la fin. Quand vous allez arriver à la fin, vous allez être plus forte. Et quand vous allez arriver à la fin, vous allez vous dire, ok, d'accord, maintenant je choisis quelle course. Je prends quelle course. Et en plus, la course que vous allez choisir, c'est vous qui allez la créer. Et à chaque fois que vous allez faire ça, vous allez en sortir encore plus fort, plus forte. On vous dit de faire confiance à votre résilience et à votre capacité à persévérer. Les féminines, moi, je ne sais pas ce que vous voulez encore que je vous dise. Je pense que là, ça a été très, très... Je voulais une guidance pour vous. Et en fait, je suis très contente. Je suis très contente de l'avoir eu en fait, très très contente. Donc, oui, j'entends, j'ai entendu, donne-leur un peu du masculin quand même. vous êtes grave. Comment on va faire ça pour le masculin? J'ai pas envie de tirer le tarot ce matin. Allez, on va faire ça. Qu'est-ce que le monsieur ou la dame vibre en ce moment? Qu'est-ce que le monsieur ou la dame là, en face, là, le masculin, vit ou vibre en ce moment? Alors, qu'est-ce que ce masculin vit ou vibre en ce moment, s'il vous plaît? J'ai faim. J'ai mon estomac qui gargouille. Alors, ce masculin vous demande de l'aide, ou en tout cas demande de l'aide. Peut-être pas à vous directement, mais demande de l'aide. C'est un masculin qui a besoin d'aide en ce moment. Oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?
C'est un masculin qui ne vous a pas tout dit, qui vous cache des choses, qui même cache des choses, même pas qu'à vous, mais à plusieurs personnes. C'est un masculin qui se sent enfermé. C'est un masculin qu'on... C'est comme si on faisait taire cette personne. C'est quelqu'un qui se sent opprimé. Ouais, c'est quelqu'un qui veut se libérer, là. Il y a quelqu'un qui a besoin, là. C'est quelqu'un qui dit pas qu'en fait, dans sa vie, ça va pas. Que, en fait, il ou elle vit très mal la situation dans laquelle il ou elle est en ce moment. Cette personne, elle a l'impression de pas s'en sortir. Ouais. C'est encore quelqu'un qui a des choses à apprendre. Ça, je vous ai dit, faites votre chemin, laissez-le ou laissez-la faire son chemin. C'est encore quelqu'un qui a des choses à apprendre. Il y a des trucs là que... Ouais, regardez, cette personne, elle est dans un truc là. Oppression. Soumission. Oh là là, c'est quoi tout ça? Je voulais pas parler du masculin, hein. Voilà, vous vouliez savoir, ben vous savez maintenant. Il va pas bien du tout. Mais c'est quelqu'un qui reçoit des messages. La source lui parle. C'est quelqu'un qui reçoit des messages. C'est quelqu'un qui lui des messages qui lui disent que cette personne, que il ou elle peut être heureux ou heureuse. Que si cette personne regarde les choses avec la tête froide. Des fois, il faut enlever l'affect. Parce que l'affect, parfois, il est bon de réagir avec le cœur. Mais parfois, dans cette situation, dans certaines situations, il faut mettre le cœur de côté. Parce que le cœur, en fait, surtout quand le cœur est pas... Vous voyez, quand vous êtes pas... Quand les blessures de l'âme sont pas réparées, quand, en fait, et ben, quand vous regardez avec le cœur, vous restez dans des situations qui vous font du mal. Vous restez avec des gens qui vous font du mal parce que le cœur parle. Et comme le cœur est malade, du coup, vous restez dans des situations qui sont toxiques, malades et qui en plus vous rendent malade et des fois vous rendent toxique. C'est hyper... c'est vicieux. Hein. Mais donc, du coup, des fois, il faut mettre le cœur de côté. Il faut regarder le truc froidement. Dire, ok, ça, c'est quoi? Non, mais c'est pas possible. On ne peut pas rester dans un truc comme ça, on ne peut pas vivre un truc comme ça. Et là, c'est quelqu'un qui là, doit comprendre que le bonheur est possible si il ou elle arrive à regarder la situation de manière froide. Parce que là, c'est pas bon, hein. Elle reçoit peut-être des messages aussi de votre âme. Et c'est quelqu'un qui se sent perdu. C'est quelqu'un qui se sent perdu. Alors, soit cette personne a des enfants, soit cette personne est dans cet état-là depuis qu'il ou elle est enfant. J'entends « laisse-moi respirer ». Oh là là. Ah, punaise. Mais c'est quoi ça? Mais j'ai entendu laisse-moi respirer. Ça, il y a un masculin qui étouffe. Il y a quelqu'un qui étouffe. Ouais. Et en plus, cette personne, en fait, elle reçoit des messages de son âme qui lui dit de faire attention. Elle reçoit aussi peut-être des messages de votre âme qui lui disent de faire attention. Mais pourquoi vous faites ça? Cette personne, il y a quelqu'un qui est en plein apprentissage là, parce que là, il y a que les cartes, il y a beaucoup de cartes noires qui sortent et je trouve franchement que c'est beaucoup, parce que les cartes noires là, c'est quand même des messages de là-haut. Hein. Cette personne, en fait, elle doit apprendre à pardonner. Hein. Il y a des choses, en fait, c'est elle se bloque dans des situations un peu pourries, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à suivre sa guidance, c'est quelqu'un qui ne fait pas attention, et c'est quelqu'un qui apparemment a des choses à soit se pardonner, ou alors à pardonner à d'autres.
Et cette personne, elle est... C'est quelqu'un qui a... Oh, j'entends, en plus, je revois la carte. C'est pas que j'entends, je vois la carte. Forge your path. Crée ton chemin. Cette personne, elle a créé son chemin, là. Et là, il faut qu'elle aille jusqu'au bout, en fait. Et elle a peur. Oh. 10-01. Les nouveaux commencements, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Ça fait peur. Il faut s'imaginer qu'on va rentrer dans une clairière pleine de fées. Vous voyez, avec plein de fleurs dans la clairière, plein de trucs comme ça. C'est ça, il faut vous imaginer que ce qu'il y a derrière la porte que vous allez ouvrir, là, c'est ça. Voilà! Regardez! Je suis en train de vous parler, l'amour sort. Cette personne a peur. Cette personne a peur de rouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui a peur d'aimer à nouveau. Hein? Et du coup, cette personne, elle a peur de l'amour vrai. Elle a peur de l'abondance. Mais elle n'est pas en état de s'en rendre compte, là. Mais là, cette personne, elle veut juste qu'on l'aide à sortir d'une situation pas possible. En colère, je vous ai dit. Il ou elle est en colère. Mais la peur amène la colère. Et entre la peur et la colère, il y a l'amour et l'abondance. Donc, là. Voilà. J'allais dire qu'on peut me sortir une carte noire. Là, voilà. La paix. Détente. Détente. On regarde les choses calmement, posément. Et avec la paix. C'est quelqu'un qui doit apprendre le respect de soi. Cette personne. Et le respect de vous. Waouh. Cette personne, elle doit apprendre son propre respect, self-respect. Et vous, là, vous respectez vous aussi. Ouais, et ben moi, je pense que l'apprentissage, là, il est violent. Hein, pour ce masculin. Il est violent. Là, si on continue sur la colère, moi, j'en viens avoir une autre carte. Si on continue comme ça, là, ça va péter. Ça va péter! Une carte sur la colère, s'il vous plaît. Ouais. Ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie, vous aussi. Hein. Vous partagez les trucs comme ça, là. Ça, je vous ai dit, quand il vient dans votre tête, là, coupez ça. Et vous lui dites, va là-bas. Sur les peurs, on a le karma. C'est-à-dire qu'il y a une leçon à prendre là-dedans. Quand il arrive ou elle arrive dans votre tête, là, tu dis non, va là-bas. Avec tout ce que tu es en train de vivre et d'apprendre et de conscientiser, là, va là-bas. Parce que vous, ça vous empêche d'avancer. En plus, vous êtes en relation miroir. Donc, en fait, si vous n'avancez pas, il ou elle n'avance pas non plus. Voilà. Apprentissage. Et on me dit stop. Bon. C'était le message qu'on avait à vous délivrer. C'est fini. Mes lumières. Je sais pas quoi vous dire pour vous faire comprendre les trucs encore, hein. Je sais pas. Quelle que soit la situation que vous vivez, vous d'abord. Si c'est masculin doit venir, il viendra. Et si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous dis. Eh non, c'est lui que je veux. Nien. Tu sais pas, c'est pas vrai. Tu sais pas, c'est pas vrai. C'est la dépendance affective qui parle. Tu sais pas. Voilà. C'est pas lui que tu veux. Ce que tu veux, c'est être heureuse. Ce que tu veux, c'est être aimée de la bonne manière. Et pour être aimée de la bonne manière, il faut t'aimer toi de la bonne manière. Donc, quand tu t'aimeras de la bonne manière, si c'est lui qui doit revenir parce que justement vous vous tirez l'un l'autre, eh ben il reviendra, 58-58. Et puis si c'est pas lui, ce sera un autre. Voilà. Vous êtes en apprentissage tous les deux là. Donc ça sert à quoi? Vous allez à faire quoi? Vous allez attendre que lui, j'attends qu'il arrive à mon niveau, comme ça on court ensemble? Ça marchera jamais. Ça marchera jamais parce qu'il y en a toujours un qui est devant l'autre. C'est ça le truc. C'est qu'il y en a toujours un qui est devant l'autre.
Vous marcherez à votre rythme chacun. Et si vous devez vous rattraper et avancer au même rythme, ce sera après la ligne d'arrivée. Donc non, faut y aller. C'est tout. On fait ce qu'on doit faire. Enfin, ce qui nous est conseillé de faire. Alors, qu'est-ce qu'il aura à vous dire, ce masculin? Je veux plus être celui que j'étais parce que tu mérites mieux. Fais ce qu'il y a de mieux pour ton corps, pour ton cœur, pour ton corps. Je dis pour ton corps parce que je vois le désir sexuel là. Cette personne, elle vous désire, mais elle vous dit de faire ce qu'il y a de mieux pour votre cœur. C'est ça, hein. C'est réparez-vous, vous. C'est quelqu'un qui se sent perdu et qui comprend pas pourquoi. Bah oui, parce que là, tu perds tes repères, mon gars, ou ma nanette. Bah oui, voilà. Pourquoi tu te sens aussi perdu? Pour ça. Yes. Ça aide pas. Enfin, ça dépend des moments. Je dois retenir mes vrais sentiments pour toi. Eh ben. J'ai besoin de retenir mes vrais sentiments pour toi. Je fonctionne mieux avec mon esprit qu'avec mon cœur. Bah apparemment pas assez. Hein? Ça fait trop mal. Ah bah oui, ben c'est ça en fait. Mais il faut y aller. Quand ça fait mal, c'est là. Ça veut dire qu'il faut réparer. On enlève le pansement et on met de l'antiseptique, machin. On laisse sécher à l'air et tout. On laisse le temps de guérir. Hein? Je veux sortir de tout ça. Bah ah oui, on a bien vu, hein, que c'était compliqué ce que tu vivais, monsieur, madame. Ne m'attends pas. Ben, il a raison. Ne l'attendez pas. Moi, je ne comprends pas. Hein. Faut pas faire ça. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même très, très, très sexuellement, énergétiquement, mais une attraction avec vous qui est assez. Assez forte. C'est quelqu'un qui comprend pas cette attraction pour vous. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend même pas ce qui est en train de vous arriver. C'est quelqu'un qui comprend pas en fait que vous êtes en lien. Eh ben. Parce que c'est trop fort pour lui. Ça le submerge. C'est trop fort pour lui ou pour elle, ça le submerge. Ou la submerge. Les gens ne le croient pas. C'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. En plus, les gens n'ont pas confiance en lui. Les gens ne croient pas en lui. Et ça le perturbe beaucoup. C'est quelqu'un qui vous dit de ne pas accepter ses conneries. Voilà, avancez pour vous. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Avancez pour vous. Il est où? Il est là. Avancez pour vous. C'est ça qui va le faire avancer. Faites-le, mais faites-le vraiment pour vous. Un vœu que tu chéris, pour lequel tu investis du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer. Ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. C'est ça, c'est vous. Faites pour vous. Ah justement, quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Je n'arrête pas de vous dire, c'est vous. Sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes, les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Est-ce que vous avez dit le chakra sacré, quand il est nourri, ça fait plus de créativité? Encore une, s'il vous plaît. Et on vous dit Ajna. Pour voir les choses avec clarté. Ouais, ça revient. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent et des informations inouïes apparaissent. Je vais arrêter de parler, en fait. Voilà. Je vous aime. Prenez bien soin de vous. Et puis on se voit à la prochaine guidance. Amour et lumière sur vous. Ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!